Il est loin mon pays, il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes au Mont-Pagis, au Toulouse, au Toulouse. Un homme qui a amené le Stade Toulousain sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde, moi j'ai envie de dire car... Encore une fois, c'est grâce à lui que le Stade Toulousain est aussi populaire dans le monde entier, car tout le monde respecte le Stade Toulousain, tout le monde respecte l'homme qui a réussi, avec ses 20 dernières années, à amener le Stade Toulousain au plus haut. Moi, Guy Novès, je le respecte énormément. Je respecte énormément. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément aimer le rugby. Mais on le connaissait sous l'ère d'entraîneur, parce que c'est là où il a été le meilleur, c'est là où il s'est fait connaître de plus en plus. Quand vous êtes capable de gagner 10 fois le championnat de France, quand vous êtes capable de gagner 4 fois la Coupe d'Europe, quand vous êtes capable de montrer votre expérience, quand vous êtes capable de montrer votre côté humain dans chaque situation, que ce soit dans les matchs difficiles ou dans les matchs où il y a un peu plus de facilité. Il a toujours resté calme. C'était quelqu'un qui était resté, qui était calme, qui était posé, qui réfléchissait, qui a visualisé les équipes adverses. Et quand vous avez un homme qui est capable, j'ai envie de dire, d'écouter, voilà, les joueurs, de créer une nouvelle cohésion, de faire de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas la même génération. C'est quelqu'un qui est resté toujours calme, qui est resté toujours silencieux, mais au fond de lui. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer la joie d'avoir passé 22 saisons au Stade Toulousain. Moi, comment vous dire, il est né comme ça, il a ça dans le sang, c'est quelqu'un que je respecterai toujours. Parce que si on est là, comme je vous l'ai dit, au Stade Toulousain, si on est là maintenant, c'est totalement grâce à lui. Bien sûr, il y a les joueurs qui ont participé, mais sans voilà, l'expérience de Guy Novès. Guy, vous êtes un joueur et un entraîneur, puisqu'on vous connaissait plus comme entraîneur, un entraîneur exceptionnel. Quand vous êtes parti en équipe de France, on s'est dit, voilà, le meilleur entraîneur français, le plus titré, va réussir à remonter l'équipe de France vers le haut. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'adapter avec son nouveau staff, à s'adapter aux nouvelles pressions, parce que quand vous représentez votre pays à la Coupe du Monde autour de la destination, c'est une pression supplémentaire. Et bon, c'est bien dommage de terminer sa carrière d'un tel entraîneur comme ça. Mais bon, si on doit parler voilà, du Stade Toulousain, je pense que personne n'arrivera à vous égaler, parce que vous êtes un entraîneur exceptionnel. Vous êtes un entraîneur, encore une fois, qui mérite tout le respect de n'importe quel entraîneur, et tout le monde doit prendre de la graine de vous, doit en prendre de la graine. Pour moi, j'ai tout le respect. Merci Guy pour tout ce que vous avez fait au Stade Toulousain. Vous resterez une icône à jamais au Stade Toulousain. Je vous respecte énormément. Merci de nous avoir fait partager toute votre expérience, tout votre amour pour ce club. Guy Novès, comme on le connaît, est pour moi, à mes yeux, le plus grand entraîneur de tous les temps. Dans le rugby français, du moins, même européen, j'ai pas de souvenir ou même en tête d'un entraîneur avec un tel palmarès, un tel prestige. Beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Quand j'étais petit, c'est avec le joueur à Toulousain que j'ai après aimé le rugby, à découvrir ce sport. Parce que des entraîneurs qui ont gagné autant de titres en 20-25 ans de carrière, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Déjà, la longévité est extrêmement impressionnante et le palmarès l'est tout aussi. Donc il a tout. Il a tout cet homme. Il a tout. C'est la définition d'un entraîneur presque parfait, j'ai envie de dire, même si forcément il y a eu des moments d'échec. Comme tout à chacun, personne n'est parfait. Mais pour moi, Guy Novès restera le meilleur entraîneur à jamais, je pense, qu'il est au Stade Toulousain. D'une icône du rugby français, une légende du Stade Toulousain. Il a passé 37 ans au Stade Toulousain en tant que joueur et entraîneur. Donc 24 années en tant qu'entraîneur et 13 en tant que joueur. Donc c'est pour moi un très grand homme avec de belles valeurs. Donc voilà,
pour moi le plus grand homme du Stade Toulousain qui existe, la plus grande icône du Stade Toulousain. Il aura quand même eu une carrière exceptionnelle avec le Stade Toulousain